Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmi Sakma pour la CAI. Nous parlons dans Fort Lauderdale, dans Broward County. Et nous avons Mimos Dilcio qui a cherché le chien fou, famille Patouel. Et il disparaît. Et Fred avec seul qui inquiète, puisque ce n'est pas un style pour être comme ça, que le déplacer. Donc, de manière désespérée, tu as essayé de voir si tu es capable. Je n'ai pendant plusieurs jours. D'après détective Broward Sheriff, Mimos Dilcio, qui a 39 ans, depuis jeudi dernier, il était well. Et donc, je pense que ce n'est pas un monde qui t'a sauvé. Il a expliqué la dernière fois qu'il était parlé avec la famille. Il t'a envoyé un texte message by petite fille, c'était vendredi dernier, et il m'a jamais pris une nouvelle. C'est ainsi que sœur a décidé à la caille parce qu'elle relait le téléphone, il pas qu'à joindre, il pas attendre rien. Et c'est l'arrivé la caille là, il joint non seulement parole mais il joint téléphone ni des téléphones qui étaient gain cassé. TV a frappé et il a même une tache sang en dedans. Donc, il n'y a pas trop de joindre des bagages qu'il a gagné en dedans. En parlant de valise et autres. Donc, la famille a expliqué que il connaît que Dilcio Mimos était sur route pour divorcer avec Marie-Li Pacheco. Et que dernier monde qui wali c'est Marissa. Et ça passé dans cas ça c'est que yo té sou divorcé mais yo té still dans caill là. Yo chaque non chambre. Yo expliqué tout que pendant telle fois pe porte là, il était just wali ba chaque monde une dans chambre. OK? Et là elle frappe mis sur report là et qu'elle dit et qu'elle dit comme ça et Mimos pas là. OK? Maintenant, ça ne t'a pas dit avant que nous fin bon reste aussi soit ça. C'est pas un scénario du tout pour personne monde fait. Lorsqu'on dit ou quitter en fille ou divorcer ou bien ou pour divorcer pour tout bon vrai hein et qu'on reste dans même caille. Jamais, ça pas jamais passer bien. Encore une fois, jamais ça pas jamais passer bien pour deux monde qui étaient ensemble qui quittaient et qui pour de bon pour le divorcer yo séparer chaque pour chambre. Ça pas recette, ça pas jamais bail résultat. Recette ça pas jamais bail résultat. Donc là dit nous chaque pour chambre comme ça tu gain droit de venir en ménage tout. Il juste pas mais son nonsense. Divorcer c'est divorcer chaque monde à l'un côté parce que ca une catastrophe, ta gain ca gain gros danger. Yo expliquer que gen moun ki explique jou événement ça passé en parlant de Pacheco pendant 10 heures de temps yo pa trouel yo pa jam moi en parlant de Maria et yo pensait que yo a expliqué que gon bagay frère Damien k'ap di gon bagay ki won gon bagay ki pa manke nan cause bien que yo pa nécessairement joine yo pa ka avouer à 100% que c'est monsieur Touyel et maintenant. Ça qui passe, c'est que par la suite, police Fort Lauderdale, justement, ils ben, pensaient qu'ils avaient assez d'arguments sur Maria, et qui gagnait, je crois, 39 ans. Eh bien, ils ont finalement arrêté lui. Et lundi, dans la soirée, détective dans Broward County, investigateur, qu'a expliqué que effectivement Mimos qui disparaît samedi et en fait ça fait longtemps pas de joindre et il a rencontré avec Pacheco, il dit que lui-même il pas jamais moi monde comme ça, il pas jamais entendu parler de lui pendant plusieurs jours. Et ça le dit pendant investigation, il était gain ce choix et pour aller fouiller dans caille et en fait puisque il était gain même il expliquait que il était partagé même machine. Les détectives ont dit que ont joint évidence qui suggérait que effectivement Damlan c'est
touye yo tatouye lan ka la, et que kol yo transporte li nan machine sa ke yo kon partage ensemble nan. OK? Donc j'ai une évidence nan le yo tap cherche ka la que que Pacheco te en processus pour le divorcer et téléphone crase genou la. Et en vertu de ça, yo pense que yo gen assez évidence pour yo ta kembe monsieur. Et yo nan moment on a parlé là et arrêté monsieur. Maintenant, c'est dit clair que et Maria gen toute raison pour que yo ta a Kimbel comme premier suspect dans la mort d'âme ça et je crois non samedi soir détective yo dit que yo arrivé finalement localiser Kodam. Et c'est pas n'importe moun, non son moun k'ap travay nan département de développement, une faute la dedans d'il, OK? Et pour villa, il dit son moun ki gen carrière. Imagine ou gen petite fille qui gen tout niveau, ça il vient comme ça bon l'autre al gaspiller. OK? Et donc yo, département obligé pour poser yo apprendre dans qui condition dame nan mouri. Parce que c'était quelqu'un qui était valorisé en pile et obligé pour un jour camper les apprendre dans quelles conditions que le mourir. Et dans moment on a parlé là Pacheco lui dans prison correctionnelle West Miami il a chargé pour second degré murder et supposé faire face parce que pas gain menti au jeune corps pour qu'on ait fait DNA et toute bagaille. Et monsieur tout est fier. Donc faut nous dire tout dans cas ça, il a expliqué que dame nan tap cherché joine ça n'ta relé et yon order bon un order pour que monsieur rete loin, il pas gain temps faire ça. Et ça qui arrive dans situation ça, le plus souvent c'est que Kala qui doit c'est nous tous les deux ou bien c'est tous les deux cacheter Kala et c'est là pour comprendre handicap là et nous tous les deux cacheter Kala et après que personne m'ont dit moi m'va quitter Kala pour m'va quitter Kala pour OK et puis ben était chargé mais il est clair que de manière légale youn ou l'autre depuis ou senti la vie ou menacé et hier au capable au niveau judiciaire et ou prend position pour monde ça arrêter loin m'pas compte qui gens capable faire partager parce que depuis l'avocat menace était capable faire ça. Donc il était là, il cherché un code order pour monsieur Tereté loin et il pas de temps fait ça et résultat il perdit la ville. So encore une fois, il est clair que et nous con ça gon tentative de la part en pile monde pour ça. Soit calaï moi cacheté le m'pas balé comme ça ou bien moi clouer les puf. Nous penser et nous voulons réitérer, ça pas jamais marché et il pas jamais marché pour deux monde qui étaient ensemble et qui séparé et puis pour yo ta décider et yo pral rete nan kay résultat et c'est yon en véritable catastrophe et c'est des moun qui te gen tan marié et pendant près de 18 mois OK. Et il était fait signer divorce là de novembre ils ont bail qui t'a pas fini oui comme quoi monsieur pourquoi monsieur elle a perdu fille tout bon vrai et puis monsieur choisi éliminer détective il dit il a cherché téléphone monsieur joue une vidéo côté que discussion t'a fait et autres et maintenant il y a gain évidence que effectivement dans moment que fille a disparu là dans moment monsieur talde ça pas le serrer quoi puisque yo joine quoi OK. So donc voilà et finalement et yo arrivé mettre la patte sur Dulcio et en fait pour sous Maria Pacheco et dame là Mimos Dulcio qui mouri c'est un assistant administratif depuis 2019 pour la ville de Fort Lauderdale 3 ans comme assistante administrative dans le département de service de développement. OK, un professionnel et qui justement perdit la vie et dans des conditions si malheureuses.
Donc voilà, nous avons partagé info ça avec vous. Haïtienne ça qui mourit dans condition ça et dans faute là dedans.